En septembre dernier, nos confrères du Monde, dans leur version magazine, s'attardaient sur la maison du 5 bis, rue de Verneuil à Paris, où a vécu Serge Gainsbourg. C'est là-bas que sa fille Charlotte, a retrouvé ce soir sur France 3 dans Prête-moi ta main, préférait se recueillir en pensant à lui, avant que cet endroit ne devienne un musée. La suite après la publicité dédiée à Serge Gainsbourg, la maison Gainsbourg est une institution culturelle située rue de Verneuil à Paris. C'est ici que vivait le chanteur jusqu'à sa mort. Sa fille Charlotte, qui est à retrouver ce lundi soir sur France 3 dans le film Prête-moi ta main de Ric Lartigot, le réalisateur de H, en garde de bons souvenirs. Dans les premières années qui suivirent le décès de son père, et avant que cet endroit ne soit accessible au public, elle s'y rendait afin de se recueillir. Un endroit qu'elle préférait à sa tombe, comme elle l'expliquait pour Le Monde en septembre dernier, le cimetière du Montparnasse, pour moi était un lieu très glauque, je n'y étais pas tranquille, il y avait toujours des gens, je me sentais observée. Là, une fois que je fermais la porte, c'était les années 1980. Je revenais à quelque chose d'extrêmement intime, personne ne m'emmerdait. Bambou, dernière compagne de l'artiste, a eu des moments où elle avait envie d'y retourner. Lulu, mon petit frère, aussi. Ce n'était pas un havre de paix, parce que ça nous remuait beaucoup, mais il y avait au moins ça qui n'avait pas bougé. Charlotte Gainsbourg, cet hommage prévu pour sa mère quand elle franchissait le palier, il y avait encore la trace de son assise sur le canapé, vision particulièrement douloureuse. Ou, dans le cendrier sur la table basse, les mégots de ses dernières cigarettes. Un endroit qui ravivait certes des souvenirs difficiles, mais qui avait au moins le mérite d'avoir gardé son charme. Le cimetière étant, à l'inverse, un lieu peu voire pas du tout intime, qui collait beaucoup moins à l'image qu'elle voulait garder de son célèbre père. Rappelons qu'en juillet dernier, c'est à sa mère que Charlotte Gainsbourg, entourée de sa famille et notamment de son compagnon Yvan Attal et de leurs enfants, disait au revoir. Jane Birkin avait été retrouvée sans vie à son domicile. Le week-end prochain, un immense concert hommage aura lieu à l'Olympia, pour honorer une dernière fois la mémoire de l'artiste britannique. Charlotte Gainsbourg et sa sœur Lou Doyon seront présentes, comme de nombreux amis de la chanteuse, Étienne Dao, Vanessa Paradis ou encore Alain Souchon. La suite après la publicité.